Bon, salut les gars, retour sur le PBEM Valmy. Alors, c'est parti, on va voir ce que nous réserve ce tour. Alors moi j'ai réfléchi, je m'en vais, je me casse. Je retourne au mont Yvron et qu'ils viennent me chercher, comme dirait l'autre. Et à ce ruisseau, il va falloir qu'il le passe ce ruisseau, parce que là on se fait canarder. Donc on envoie là on dès que le tour finit, on se casse, tout le monde se casse. Tout le monde se casse. Attention là-haut, parce que. Alors là, c'est les Autrichiens, sauf là, je sais pas ce qu'on va faire ici pour les Autrichiens. Là, on peut pas faire autrement que continuer. On essaye de remonter là, on commence à remonter. Mais eux, par exemple, eux, ils se cassent tous par là-haut maintenant. Eux, ils retournent en arrière, on se casse. Cassos. Parce que là, on se prend des tours pas possible, quoi. Donc on perd au niveau des pertes, mais il a toujours pas les objectifs. Qu'ils viennent les chercher, les objectifs. D'ailleurs, c'est ce que j'aurais dû faire depuis le début, j'aurais pas dû bouger et attendre qu'ils viennent. Il était en minor défaite, il fallait qu'il était obligé d'y aller. Maintenant, il est même plus obligé. Maintenant, il peut jouer au con et dire, ah ben non, c'est bon, j'ai des points. Ouais, non, non, non. Moi, je m'en fous, j'ai les objectifs, donc c'est moi qui gagne. Enfin, bon. Officiellement, je vais perdre, mais si je peux garder mes objectifs, je gagne dans ma tête. Ah ouais, mais il arrive là. Il arrive, il arrive, il arrive. Ah ouais, c'est bon, il est passé à l'attaque là. Alors nous, on va se casser. On fait un retrait stratégique là. Il va nous suivre et puis on verra bien comment. Comment ça se passe? Mais là, de toute façon, là, on est massacré là pour l'instant. Là, là pour l'instant, on perd, mais grave quoi. Et même si c'était évident, parce qu'on était en position défensive, il fallait surtout pas se mettre à attaquer. Mais bon, il venait pas. Alors, il a bien fallu que je fasse quelque chose quoi. Tragique erreur. Il aurait fallu que j'attende. Il se passait rien. Il se passait rien. Tant pis, je publiais pas. D'ailleurs, il y a au moins 10 vidéos que j'ai pas publiées parce qu'il se passait rien. Donc, bon. Mais c'est peut-être ça qui m'a incité à aller le chercher, parce que je me dis, ben, je publie, donc il faut que ce soit intéressant et tout, alors que j'aurais dû patienter là, sur le mont Yvron, tranquille à Valmy, à prendre le thé à Valmy, quoi. En mangeant des madeleines, à attendre qu'il arrive. Mais bon, il venait pas. Bon, on va quand même essayer de botter le cul à ces Autrichiens. Et de remonter par là-haut, on verra bien, on verra bien, on verra bien. On va improviser là maintenant. Là on est en roue libre. 33 attaqueurs, 3 défendeurs. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai pas même pas fait gaffe. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé là encore? Oh putain! 19 unités, 1 disordered, 5 unités ralliées, 4 unités recovered, 4 unités rooted out. Rooted out. Et voilà. Bon. Tour 34 sur 69. Ah ouais, il n'est pas venu, hein. Il n'est pas venu plus loin. Donc nous, on continue, hein. Il faut absolument. D'ailleurs, on va envoyer le 21 en premier. Donc il est pas venu, il s'est arrêté là. Eh ben c'est parfait ça. J'avais tellement peur qu'il traverse, mais il traverse pas. Eh ben écoute, je veux pas me plaindre. Hein. Alors là, attention, parce que où est-ce qu'on a le danger là? Eh oui, alors lui du coup on sait pas s'il faut le mettre là-bas ou là. Lui, on va le mettre par là, ça fait de un peu de la masse. Ça lui donne l'impression qu'il y a du monde. Il reste comme ça. Et là, on va y aller en reculant. Là, on va se déployer en ligne. Oh putain, parce qu'ils sont disordered. Donc lui, il est en ligne maintenant. Alors les disordered, on va leur dire de se casser. Ah putain, ils peuvent pas aller plus loin. Bah ça fait rien. On leur fait tous faire un mouvement de retrait en arrière. Ils peuvent pas aller plus. Hein.
Alors les routides, on les envoie en arrière. On va pas leur faire prendre la route pour pas trop embouteiller le truc. D'ailleurs, lui, je l'ai mis là, j'aurais pas dû. Ouais, trop tard. C'est quoi ici? Building, il y a une ferme là. Là, on peut aller sur le mont Ivron, donc on va passer quand même par la route. Bon, bah on passe. Oui, si on peut passer, c'est par la route, mais bon. Allez, on passe par les champs de maïs. Allez, c'est décidé, on part tout droit. Joue au con, bah tiens, tu vas voir, on va jouer au con nous aussi. Voilà. Alors eux, on va les repasser en colonne. Il peut pas. Ah, est-ce qu'il est disrupted? Donc il peut pas. Limbird. Toi, tu peux t'en aller. Ouais, ça fait rien, on y va tout doucement, c'est pas grave. Toi, tu es Limbird, donc c'est bon, tu peux te casser. Routide, tu vas aller dans les champs. Limbird. Ouais, Limbird, donc tu vas par là. Ah ouais, putain, ça roule bien là. Toi, tu peux pas, donc tu reviens en arrière. Dans les maïs. Alors là, eux, on a dit qu'on revenait en arrière. Donc on va rester là, on va occuper nos objectifs. Voilà, ici on revient là. Bon. Sauf qu'on est une armée totalement désorganisée maintenant. Putain, tiens, 2 cases et ça lui prend ses 21 pions, quoi. J'y crois même pas, quoi. 6 il reste. Eh putain, il passe par les maïs, lui. Ok. Ici. Bon, lui, on l'attaquera à la mêlée. Eux, ils arrivent en renfort. Alors là. De toute façon, lui, on s'en fout. Ils sont 15. Tu vois, ils sont. Je disais 15 pour déconner, mais ils sont moins de 20. Alors. Là, c'est là qu'il faut se faire les Autrichiens. 40 men. Mais là, on s'en fout des 40, quoi. Donc là, les canons, ils se cassent parce qu'on n'a rien pu en faire de ces canons, de toute façon. Ouais, on voit rien, quoi. On voit que dalle. Allez, vous cassez les canons. Bon. Lui, est-ce qu'il peut tirer quelque part? Nulle part. Tiens, il peut tirer sur les skirmishers ici. Ah là, peut-être. Non. Tu vois, je ne sais pas où ils peuvent tirer. Allez, tant pis, il n'y a que là. 7. Alors, ici, 8 guns et 100 hommes. Allez, on y va. Hein. On va les faire charger.
Ouais, bah, ils peuvent pas charger à tous les coups. Donc, et là, ils sont 29. Mais non, 29, 29, 24. Mais non, attention. C'est n'importe quoi ce que j'allais faire là. Cassos, les mecs. Mais oui, Cassos, ils sont 20, quoi. Alors la colonne, disorder de l'Oamo. Il n'y a rien à faire, on se casse. C'est de la débandade, nos trucs. C'est Cassos, Cassos. Et lui, alors, 617. Alors, eux, ils sont nombreux, mais regarde ça. On va se retrouver. Il faut se casser, quoi. Bon, bah, du coup, on se casse partout, alors. Ah, putain, j'y crois pas, quoi. J'y crois pas. Limbird. Bon, y a que là. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Là, c'est des paquets de 900. Putain. 700. Là, on est 300. Mais qu'est-ce que tu veux faire, quoi? Il y a ça. Des 10, 15. Oh, putain. Allez, on se casse. Tout le monde se casse, là. Attention, parce que ça, 40 mènes. Mais... Ah ben non, on se casse. C'est plus possible. Allez. Il a voulu jouer au con, l'autre, ben, on joue au con, il va nous poursuivre maintenant. On peut plus rien faire là. On passe pas. Les Autrichiens nous ont empêchés. Dis ça, c'est 25, 60. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça, quoi? Avec des routines en plus. Disorder de routine. Blanchard. Ils ont tous des points là, donc normalement ils devraient pouvoir partir et je peux pas. Chartres, fail checked and become disordered. C'est qui Chartres? C'est lui là. Ah ben maintenant il bouge. On va défendre nos objectifs. Ah ben là, c'est la retraite. C'est pas la retraite au flambeau, hein. Au contraire, c'est la retraite la queue entre les jambes. Quand ils sont en colonne et quand ils font un pas en arrière, quand ils sont en ligne, ils reculent, ils marchent à reculons. Quand ils sont en colonne, ils font demi-tour, ils repartent dans l'autre sens. Ah, il peut pas. Le routide, il peut pas se rapprocher. Ouais, voilà, pas assez bon. 16 partout. Ouais, et ben on n'a pas pu. Ça n'a pas marché, on revient en arrière. Ah, par contre, il va falloir faire gaffe parce que là, on leur tourne tous le dos. Hein. Lui, on va le garder pour aller taper un peu sur lui pour le plaisir. Hein. Je sais pas ce qu'il y a, quand je double-clique, il prend pas mes double-clics aujourd'hui. Là, c'est bon. Alors, est-ce qu'on en a oublié?
Là, ils ont tous bougé. Lui, il va se faire mêler. Alors là, un divisionnaire. Comment il s'appelle? Muratel. Ah, j'ai mis la petite loupe, tu sais. Tu peux grossir comme ça. Bon, là, j'ai un peu trop grossi, mais bon. Voilà, comme Muratel. Commandant division armée centre, etc. Deuxième division armée du centre. Bon, les skirmisheurs, vous vous cassez. Et tout le monde se casse là. Tout le monde, absolument tout le monde. Alors ceux-là, ils sont limber, donc c'est bon. Dans les maïs, on s'en fout. Là, c'est la débandade. Hein. Eux, on va les repasser en colonne. Limbird. Eh ben, vous vous cassez. Vous reculez un pas en arrière. Ah ben, vous avez plus de points. Le chef de brigade, tu te casses. Le skirmisher, hop, putain. Tu peux pas te casser. Alors du coup, il va avancer tout ce qu'il peut maintenant. Je présume. Mais enfin, bon, comme il a été complètement imprévisible depuis le début. On va les laisser là pour l'instant. Pour pas lui donner un signal. Parce que si on s'en va, il va traverser le pont. Alors que là, pour l'instant, il n'a pas envie de traverser. Mais qui reste comme ça. Alors, la situation est comme ça. On revient sur nos objectifs. On revient en arrière sur nos objectifs. Au niveau des points, on est très mal. Major Victory. 800. Il a 800. Il a rien perdu, quoi. Il a rien perdu. Autant d'infanterie que nous. Et nous, on a perdu 3600 de cavalerie, quoi. Et je parle même pas des leaders. 6 leaders, lui, un leader, nous on a perdu 186 points de leader. Et il faut commencer la retraite là, les gars. Hein. Là, il y a encore 9 points. Alors attention, on va commencer par les supplies. Supply. Oh, ça a bouffé tous les points. Les guns. Il faut s'en aller. Là, il va pas pouvoir arriver ici, je pense. Hein. Mais j'espère. J'espère, j'espère en tout cas. Attention, il y a eux, Fast Fire, donc eux, ils sont collés là. Eux, ils ont tous bougé, tout le monde a bougé. Bon, bah écoute, voilà la situation. Tu vois, là, il y en a, tu vois, lui, là, il a une vision, il peut voir jusque-là. Hein. Ah oui, alors tiens, sur un autre jeu, j'ai fait un truc qui était vachement bien. Mais c'était sur la série des Panzer Campaign. Et j'ai vu map contour, donc yes. Ouais, ils sont là. Et j'avais enlevé les ex outline, je sais pas comment ça s'appelait. Non, c'était pas ça. Alors, non, c'est pas. Ah. Et si, c'est ça. Là, ça change rien sur cette carte-là. Hein. Ah, si, là, on les voit un peu. Là. Ouais, mais ça change rien. Non, et sur l'autre, on voyait super bien les reliefs. Alors que là, on voit pas vraiment trop où sont les reliefs, quoi. Attention, parce que est-ce que j'ai pas. Non. Là, on les voit pas trop les reliefs. Hein. Sur l'autre carte, on voyait vachement bien où c'était. Les points hauts, les points bas, mais là, ça reste assez confus. Hein.
C'est là, hein. C'est le mont Ivron, comme son nom l'indique, c'est sur un mont, donc il faut vite repartir sur le mont Ivron en fait. Et là aussi, c'est en hauteur, hein. 10. Ouais, et ben, c'est ça le plan pour les 30 prochains tours, c'est de faire un repli stratégique et d'aller occuper le mont Ivron, d'où on n'aurait jamais dû partir. Bon. Alors, on va envoyer comme ça, et on va avoir quelques mêlées à faire, notamment ici pour le plaisir. Attention. Alors. C'est vraiment pour le plaisir parce qu'on lui a rien fait, quoi. Ah, canotte. Ouais, bah. Pff. Light infanterie, lui, il va pouvoir mêler. Ah non, détache unité canotte mêlée attaque. Eh ben. Eh ben. Bon, de toute façon, c'est 40 hommes, on s'en fout, quoi. Next. Ils peuvent. Qu'à de mêlée, mais bon, on va pas attaquer 600 hommes, on est 85, quoi. Putain, on n'a même pas tiré. Oh, l'unité have been considered. Bah eux, ils vont se faire croquer tout cru, quoi. Ok, bon ben, fin de tour, les gars, donc c'est un total changement de stratégie. Du coup, on passait pas là-bas avec les Autrichiens, on était trop affaiblis, et ils ont des rangs, là, de 900, et on passait pas. Regarde ça, là, c'est des paquets de 1000, quoi. On n'y allait pas. Donc c'est lui qui va venir maintenant. On revient sur nos objectifs. On vient occuper tous nos objectifs. Alors là, ce qui est embêtant, c'est qu'on lui tourne le dos là pour se replier. Donc on va voir comment il va nous attaquer. Mais bon, c'est peut-être la fin de la bataille, les gars. Ok, allez, fin de tour. Ok, les gars, allez, affaire à suivre. À la prochaine. Allez, ciao.